C'est à cause de lui que ton nom a été inscrit dans le livre.
Et ton nom a été inscrit avec l'encre de son sang. Pas avec un feu, mais avec l'encre de son sang. Avec que personne ne puisse l'effacer. Père, nous te rendons gloire car tu es bon. Merci pour ce temps de grâce que tu nous accordes encore. De nous réunir, Seigneur, autour de ton bon nom, autour de ta parole. Pour écouter, Seigneur, ta parole. Que toute la voix te revienne. Seigneur, je te recommande ton peuple. En toute sainteté, que le cœur soit assoiffé de ta parole. Disposé, Seigneur, sensible, Seigneur, fertile à la parole de Dieu, pour que ta parole soit sémée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous, bénis ta parole, oint ta parole, que tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu commence à plier, bagager, aller dans le pas des filles, dans le nom de Jésus-Christ. Les incompréhensions au nom de Jésus-Christ, les doutes, l'incrédulité, la distraction, la sourdité, que tous ces esprits commencent à plier, bagager, aller là où il n'y a pas de vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'utiliser l'instrument que tu as choisi ce soir pour ta seule gloire dans le nom de Jésus. Que le Saint dise gloire. Merci Seigneur. Amen. Et continuons notre enseignement sur les effets de la parole de Dieu. Les effets de la parole de Dieu dans ta vie, deuxième partie. Amen. Donc notre thème de base, c'est la puissance. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Et nous allons commencer à voir le mercredi dernier les effets de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, notre texte, nous allons prendre sur Éphésiens 6, 17. Et nous maintenons encore Hébreux 4, 12. Amen. Donc nous allons nous tenir vraiment pour la lecture de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Hébreux 4, 12. Éphésiens 6, 17. Si quelqu'un trouve déjà, on peut commencer à lire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, 17. Oui. Prenez aussi le casque du salut. Oui. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 4, 12. Oui, oui. Tranchant qui n'était quelconque à l'étranger. Oui. Un étranger jusqu'à partager âme et esprit. Oui. Dire des mots. Amen. Elle juge les sentiments Alléluia. Et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Tu es excellent. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es sage, tu es intelligent. Amen. Ouais, tu es extraordinaire. Amen. Tu es magnifique. Amen. Merci. Peut-être que depuis le début de cette année, il y a personne qui t'a fait de tel amour. Et tu lui dis Amen vraiment à la langue. Je te dis que tu es extraordinaire. Amen. Et tu n'es pas n'importe qui. Je te demande, tu as de la valeur aux yeux. Amen. Et à mes yeux aussi, tu as de la valeur. Amen. Je te bénis. Amen. Amen. Je te fais des gros bisous. Amen. 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 Je t'aime bien, c'est pour ça que je suis là. Amen. Seigneur. Et nous avons commencé à voir, bien aimé, que la parole de Dieu était quoi? Après, nous avons dit que la parole de Dieu apporte la lumière. Amen. La parole de Dieu apporte la lumière selon nous avons vu, nous avons dit psaume 119, 105, ainsi que les psaumes 119, 130. Les psaumes 119, 105, David nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible nous dit encore au verset 30, toujours sur le même chapitre, le psaume 119, la révélation de tes paroles est claire. Amen. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux naïfs, ou bien aux simples. C'est très très important, bien aimé. Je vais récapituler un peu juste tout simplement pour que tu puisses encore comprendre encore. Alléluia. Amen. La Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais Dieu et sa parole ne passeront point. Amen. Quelqu'un qui néglige la parole de Dieu, il a tenté de négliger Dieu. Négliger Dieu. Il y a des choses qui viennent, mais que nous n'avons pas su autrefois. Peut-être que toi, tu faisais partie de ces gens-là qui négligeaient la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire à partir de ce soir, commence à considérer la parole de Dieu. Amen. Parce que tu ne vois pas Dieu, et Dieu est dans sa parole. Amen. Donc la personne qui considère Dieu, c'est la personne qui considère aussi la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire que j'aime Dieu, et bafouer la parole de Dieu, ça ne marche pas. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent Dieu. Tout le monde peut dire que Dieu existe. Amen. Amen. Mais si ces personnes-là disent que Dieu existe et nient la parole de Dieu, donc quelque part, ils sont en train de nier aussi Dieu, l'exemple Amen. De Dieu. La Bible, elle est puissante, bien-aimée. Quand nous regardons le livre de Genèse, à la création, la Bible nous dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Partout, tu verras tout ce moment, dans tous les versets, il dit que la Bible, que Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Quand
Dieu a créé demain, quand il a dit, quand il a appelé la lune, quand nous regardons, regardez, hier, j'étais sorti un peu tard, je regardais là où j'étais, c'était un peu noir, et je voyais, mais il y a la pleine lune. La lune est pleine. La lune en ce moment est pleine. Elle est vraiment pleine. Mais qu'est-ce qui soutient, qui maintient la lune en haut? Qu'est-ce qui la soutient en bas? La lune est suspendue dans l'espace. Rien que par la parole de Dieu. Rien que par la parole de Dieu. Elle est puissante. Les étoiles sont suspendues rien que par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soutient la lune en haut. Il n'y a rien qui soutient la lune en bas. Il n'y a rien. Juste la parole de Dieu. Dieu a dit que soyez féconds. Multipliez, vous remplissez la terre. Cette parole-là s'accomplit. Elle est toujours d'actualité. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Elle apporte la lumière. Elle apporte la lumière. Quelqu'un, bien-aimé, qui est en contact, qui lit la parole de Dieu, qui étudie la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu, c'est-à-dire que cette personne-là est, sans le savoir, tu es rempli de Dieu. Amen. Des fois, quand nous disons que c'est un esprit rempliment de la puissance, mais nous ne recevons pas toute la puissance. Tant que, bien-aimé, nous ne rentrons pas en profondeur des Écritures. Amen, amen. Donc quand tu dis que c'est un esprit rempli de moi, oui, il doit être rempli, mais la chose encore qui te remplira plus, c'est beaucoup plus la parole de Dieu. C'est beaucoup plus la parole de Dieu. Donnons de l'importance à la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Et la porte de la lumière. Voilà pourquoi quelqu'un qui marche dans la lumière, il ne trébuche pas. Tu ne peux pas trébucher. Il dit que c'est la lumière sur notre sentier. C'est-à-dire que là où tu vas, tu es rarement quelqu'un qui marche. Quelqu'un qui considère la parole de Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu, c'est rarement que cette personne soit dans les erreurs. C'est rarement que cette personne se trompe, c'est rarement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est claire. Elle t'éclaire. La Bible dit qu'il illumine les yeux de ton cœur. C'est ça l'œuvre de la parole de Dieu. Elle fait toutes ces choses. Ces choses-là. Amen, amen. C'est très, très important. Donc quand tu te négliges la parole de Dieu à partir vraiment de ces enseignements, il ne faut plus négliger la parole de Dieu. Elle est puissante. Nous croyons aux prophéties, c'est bien. Amen, amen, amen. Les prophéties sont bibliques. Et la prophétie, selon 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit qu'elle vient exhorter, elle vient consoler. Amen, elle vient encourager. Amen, amen. Maintenant, on mélange tout ce qui est parole de connaissance, parole de sagesse, on parle toujours de la prophétie. Alors que la prophétie en elle-même, elle vient encourager. Amen. Et puis, il n'y a pas prophétie sans la parole. La parole précède toujours les miracles. La parole précède les prophéties. C'est comme ça que ça se passe. Et nous devons savoir, dans Hébreux 1, 2, la Bible nous déclare que la Bible nous dit que Dieu, de nos jours, donc ces jours des temps de la fin, Dieu nous parle par son Fils. Amen. Par son Fils. Amen. Or, nous avons dit que le Fils est aussi la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, il y a deux notions dans la Bible. Il y a la parole écrite et la parole personnifiée qui est la personne de Jésus. Amen. Voilà, c'est très, très important de tenir cela. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons voir un point qui dit que la parole de Dieu, c'est l'épée en action. Amen. Selon Éphésiens 6 et 17, que ma bien-aimée a lu tout à l'heure, ainsi que Hébreux 4, 12. Que la parole de Dieu, c'est une épée. Quand vous voyez une épée, l'épée sert pour le combat. Amen, amen. Partout, quand vous voyez longtemps les Romains, quand nous voyons les films, voilà, nous voyons que tout ce que pendant la guerre, ils utilisaient l'épée. L'épée sert à trancher. L'épée sert à couper. Donc quelqu'un peut couper la tête d'une personne juste par l'épée. Amen, amen. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée en esprit. C'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. Remarquons bien aimé, regardons dans Matthieu 3, 16 et 17. Lorsque Jésus sortait des eaux de baptême, la Bible nous dit qu'il y a une voix fut entendue du ciel, n'est-ce pas? Amen. Amen. Une voix du ciel cria que celui-ci est mon fils bien-aimé, hein, à qui j'ai mis toute mon affection. Hein? La Bible dit, écoutez-le. Là, c'est la voix du Père qui entend de parler. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Amen, amen, amen. Donc là aussi, nous voyons un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus, après avoir été rempli du Saint-Esprit, hein, après sa sortie et dans les eaux du baptême, après être rempli du Saint-Esprit, après être déclaré par le Père qu'il est mon fils
Bien-aimé, c'était des bonnes paroles. Amen, amen. C'était des paroles extraordinaires. Mais vous lirez au verset, au chapitre 4 de Matthieu. La Bible nous dit que Jésus a été transporté par le diable dans le désert pour être tenté. Amen, amen. Non, il a été transporté par l'esprit, s'il te plaît, par l'esprit pour être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit qui l'a transporté dans le désert pour être tenté par le diable. Mais regardez bien, bien-aimé, cette conversation, je peux dire, entre Jésus et le diable. Bien-aimé, pour montrer que la parole de Dieu, c'est le paix de l'esprit. Amen, amen. Or, Jésus lui-même, il était Dieu aussi. 100% Dieu, 100% homme. Maintenant, pourquoi il ripostait à Satan par la parole? Est-ce que tu comprends? Amen. Pour dire que Jésus en face de Satan, c'était Jésus-Christ 100% homme qui est en face. Voilà pourquoi le diable voulait l'amener dans une dimension tout simplement de la divinité. Pour que Jésus puisse vraiment sortir de son plan. Mais Jésus répondit, il dit que l'homme, pour te dire que moi aussi je suis homme, l'homme ne vit pas tout simplement le pain. Quand tu viens, il lui a dit que si tu es le fils de Dieu, regardez bien aimé. Le diable c'est un menteur. Et quand le diable ment, il ment vers qui? Quand le diable vient de mentir, il ment vers qui? Voilà. Le diable ment envers nous, pas envers Dieu. Amen. Donc le diable vient de mentir aux enfants de Dieu. Mais vers Dieu, il est appelé l'accusateur. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est là où il est parti accuser Job. Donc, quand il va accuser un enfant de Dieu devant Dieu, parce qu'il a les preuves. Quand il vient nous mentir, là, il n'a pas de. Il va jouer juste tout simplement. Il a des ruses qu'il utilise. Je vais te dire une chose, ma soeur. Ne pense pas que tu vas résister à Satan par ton intellect. Ne pense pas que tu vas résister. Tu vas donner des arguments à Satan par rapport que non. Moi, je suis de. Moi, je suis de telle tribu. Moi, nous, dans notre tribu, là, on ne blague pas. Ce n'est pas avec ça que tu vas le pousser le diable. Ce ministère-là, il a commencé ça longtemps. Il est trop rusé. Donc, ce n'est pas avec ton intellect que tu vas le pousser le diable, non. Quand Jésus est sorti des eaux de baptême, la Bible nous déclare qu'il a été tenté par le diable. Et là, il est en train de dire que si tu es réellement fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il dit que si tu es fils de Dieu. Alors au chapitre 3, Dieu lui a déjà dit que tu es mon fils. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es mon fils et bien-aimé. Maintenant, lui, il veut remettre la parole de Dieu, le Père encore, pour dire que si tu es, donc si tu es enfant de Dieu, ordonne. Donc prouve-moi que tu es enfant de Dieu. C'est ce que nous traversons des fois. Voilà. Toi qui pries, et pourquoi tu pries? Pourquoi tu es dans les manques? Si tu es réellement enfant de Dieu, si vraiment tu crains Dieu, pourquoi tu ne demandes pas? Voilà. C'est ça le diable. Voilà. Si tu es enfant de Dieu, si tu es servant de Dieu, pourquoi ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu ne trouves pas du travail? Si tu es réellement enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, pourquoi ça ne marche pas? Ça, c'est le diable. Amen. Amen. Maintenant, bien aimé, les prières de combat, c'est n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise. Mais si tu as envie de faire les prières de combat, oh, le vrai combat aussi, selon la Bible, c'est le combat dans la foi. Amen. Le combat de la foi que nous avons à la terre. Amen. C'est le combat de la foi. Jésus a répondu par la parole. C'est pourquoi j'avais toujours l'habitude de parler de ça. Ouais, il a dit qu'il est écrit, il est écrit. Mais c'est trop profond. C'est profond. Jésus a dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas tout simplement de pain. Croyez que le diable allait laisser, mais il a continué. Hein, pour te dire qu'il est résistant. Donc, il faut avoir la parole. Le diable, la Bible, la parole de Dieu, le paix de l'esprit, selon Éphésiens 6 et 17. Qu'il est le paix de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas tout simplement pas dire qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, oui, mais lui il te ramène la parole. Lui il te dit que si tu es enfant de Dieu. Si tu crains Dieu, parole contre. Mais si tu vas dire qu'au nom de Jésus, ouais, il connaît, il va reculer un peu, il va dire que non, il va continuer. Oh, il faut le repousser par la parole écrite. Amen. La parole écrite. Amen. Jésus, la parole fait des chaînes. La parole écrite. Amen. Et il a dit que si tu y es, est-ce que tu peux ordonner? Est-ce que tu peux te jeter? Il dit que, et car il est écrit que Dieu ordonnera à tes anges de te sécuriser.
Donc, lui aussi est en train de pousser dans la parole de Dieu. Amen. Mais Jésus est en train de dire que non. Attends, c'est vrai que Dieu va envoyer les anges pour me secourir. Mais si je le fais, je t'obéis. Amen. Je vais t'obéir. Amen. Combien de gens sont en train d'obéir à Satan sans le savoir? Sont en train d'obéir. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas la parole. Bien aimé, c'est très très important. Par le temps qui court, si tu n'as pas la parole, tu vas être comme l'exemple que Jésus a donné dans Matthieu 7, la personne qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. C'est très important. Pourquoi? Parce que maintenant tout le monde prêche. Tout le monde est prédicateur. Ouais, tu peux ouvrir ta chaîne du jour au lendemain. Tu commences à prêcher. Tout le monde est en train d'interpréter la parole. Mais il y a interprétation et interprétation. Amen. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, avec la même Bible, on te garde. Amen. On te garde dans la vérité. Considérez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Lisez la parole. Jésus a repoussé les gens par la parole écrite. À l'époque de Jésus, il y avait déjà 5 livres qui étaient écrits. Dans la Bible. Les 5 livres. Qu'on appelle la Pentateuque. Donc, c'était déjà, c'est dans le Deutéronome qui est écrit que l'homme ne vivra pas tout simplement de pain. Mais de toutes les paroles sont là. Il a repoussé alors qu'il était Dieu. Juste pour nous montrer que nous avons besoin de la parole de Dieu. Surtout par le temps qui court. Qu'on ne te dise pas, on regarde, toi aussi l'âge avance. Comment ça se fait que toi, tu vas à l'église tous les jours, mais comment ça se fait que tu es toujours dans les problèmes? Si tu es réellement, si tu crains, si tu as vraiment changé, si Dieu t'a vraiment changé, pourquoi tu continues à vivre ça? Si Dieu t'a réellement changé, si réellement tu n'as pas de copains, pourquoi tu ne fais pas ça? Si réellement tu es avec Dieu, pourquoi tu ne te maries pas? Il y a beaucoup de si. Voilà pourquoi même devant elle, il a dit que, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Donc à chaque fois que tu reçois une parole, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Sache que c'est le diable. Parce que tu dois savoir que la Bible déclare que je suis avec vous tous les jours. Amen. Le diable viendra toujours. Est-ce que tu vas remarquer que pendant le culte, tu as bien reçu la parole. Tu es dans la joie. Et le Saint-Esprit t'a convaincu que tu es guéri. Amen. Voilà. En descendant dans les escaliers déjà, quand tu vas sentir encore un peu de douleur, lui maintenant il revient. Est-ce que tu es vraiment guéri? Est-ce que tu es sûr vraiment que tu vas abandonner le médicament? Est-ce que tu es sûr vraiment, tu vas arriver à la maison? Est-ce que tu es sûr que je ne vais pas tomber malade? Tu vois, il ramène toujours. Amen. 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 Là, maintenant, tu vas voir la parole. Tu vas voir une parole. Tu ne dis rien de moi, Satan, je suis guéri. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Il dit que si nous sommes infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Amen. Quand il a dit la chose, il le fait, il accomplit. Rien de moi, Satan. Quand les gens qui vont dire toujours que regarde, tu n'as rien, à ton âme, il faut avoir une parole. Tu vas dire à Satan, rien de moi, Satan. La Bible déclare que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Voilà, là tu as 1-0. Mais si tu es là, mais là tu réjouis, c'était par là, tu commences à réfléchir aussi. Ah oui, c'est vrai. Regarde, je n'ai pas encore ça, alors que l'autre a ça. Bien aimé, arrêtez l'histoire de ses compagnons. Arrêtons ça. Ça t'amènera nulle part. Dieu n'aime pas ça. Amen. Quand tu regardes même les apôtres, les 12 apôtres, même, chacun avait son appel. Amen. Chacun avait sa spécialité. Amen. Donc on ne peut pas se comparer. Amen. Mais quand tu as le regard sur Jésus, tu sais que Seigneur, moi mon tour viendra. Amen. Un jour aussi, tu vas me visiter. Amen. 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 C'est très important. Mais tu vas puiser toutes ces ressources-là. Toutes ces paroles-là, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Ne négligez pas la parole. Vous savez, des fois, je me demandais, je disais, bon, les gens ne trouvent pas l'importance. Quand on vous demande de lire la parole de Dieu, peut-être que vous ne trouvez pas l'importance, je dis que bon, je ne vais pas prêcher. Bon, pourquoi je vais lire la parole de Dieu? C'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Amen. Si Jésus t'a appelé, la route est encore longue. Amen. 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 Donc, on a besoin de la parole de Dieu. Pourquoi tu vas lire la parole de Dieu? Parce que tu es fils de Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est ton Père. Ça veut dire que négliger la parole de Dieu, c'est-à-dire que comme c'est comme toi à la maison, tu as déjà préparé, hein? Tu as fait la nourriture, tu as mis dans la cuisine, et les enfants viennent, ils savent déjà que le maman a déjà préparé, nous allons tout servir. Maintenant, mettre la parole de Dieu de côté, c'est-à-dire que les enfants viennent, alors que tu as déjà tout préparé, tu as jamais fait la table,
Mais les enfants viennent te demander, maman, nous nous avons fait, nous voulons manger. Alors que tu as déjà tout. Tu as mis de côté. Tu as mis la table. Donc quelqu'un qui a été mettre la parole de Dieu à côté. Donc ça dit que tu as été mettre Dieu de côté. Dieu de côté, très, retiens bien cela. À chaque fois que tu as dit que non, c'est de moi, je n'ai pas besoin de ta parole. Moi, voilà, je n'ai pas. Moi, je veux tout simplement qu'on me dise qu'est-ce que tu as vu de moi, qu'est-ce que tu as prouvé, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a montré par rapport à. Par rapport, non. Dès que tu commences à voir comme ça, tu commences à sortir de la parole. Amen, amen. Amen. C'est très, très important. La parole de Dieu, elle est puissante. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, c'est-à-dire que Jésus l'a repoussé par la parole de Dieu. Tu dois avoir la parole. Tu dois avoir la parole, s'il te plaît. Tu dois avoir la parole de Dieu. C'est très important. Mais la parole de Dieu, tu as la Bible. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole. Tu dois écouter. Amen. Écouter les enseignements. Écouter. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas dérailler dans ce temps de la fin. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines maintenant. Il y a beaucoup Amen. De choses qui se passent. On donne, on ne donne pas. Oh non, 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 non. C'est l'ancien testament. Donc c'est compliqué. Amen. C'est compliqué. Amen. Tu écoutes à gauche, on dit autre chose. Tu vas à droite, on dit, on dit autre chose. Mais celui-là aussi homme de Dieu. Celui-là aussi homme de Dieu. Maintenant, je vais suivre qui? Amen. C'est ça le problème. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit, Amen. Tu as la parole. Amen. Tu sauras que non, les deux personnes peuvent être qui dire la même chose. Mais c'est seulement la manière de parler. Amen. C'est la manière de la présenter qui change. Amen. Mais si tu connais les Écritures, tu sauras que non, non, non. C'est la même chose. Amen. 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 Lisez la parole de méditer la parole de Dieu. Amen. Si, parce que pourquoi, bien-aimé? On a dit la fois dernière, ce n'est pas l'imposition des mains qui te change. Amen. Ce n'est pas l'imposition des mains qui te change. Ce n'est pas les témoignages qui vont te changer. Amen. Jamais. Amen. Voilà, nous avons vu dans Luc 16, l'histoire des méchants, des mauvais riches, ainsi que le pauvre Lazare. Donc, quel que soit, même si, bien qu'aujourd'hui, parmi nous, une personne décédée, ou bien Jésus ravissait quelqu'un d'esprit, et 4 jours après, ou bien 6 jours après, la personne revient à la vie, il va nous dire des choses. Nous allons peut-être croire à ces instants-là, et quelques temps après, je pense que vous avez été beaucoup de ça vous est déjà échappé, vous les avez déjà oubliés. Ça ne vous a pas changé. Mais seule la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Hébreux 4, 12, la Bible déclare, elle juge même les sentiments et les pensées de cœur. C'est la parole de Dieu qui va te changer. Mais là, si tu ne la lis pas, si tu ne l'écoutes pas, comment tu vas changer? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens longtemps dans les églises, mais il n'y a aucun changement. Pourquoi? Quand la parole est proclamée, dans ton cœur, tu as dit de rejeter la parole. Amen. Tu as dit de rejeter la parole. Ah, elle pêche comme ça. Est-ce qu'il n'y a que moi? Est-ce qu'elle fait ça? Tu vois? Elle, au moment de l'homme, on disait que, voilà, que quand un homme est en train de prêcher, oui, il doit vivre ce qu'il a en train de prêcher. Oui, oui. Amen, amen. À 100%, aussi peut-être à 90%. Même à 80%. Parce que des fois, un homme qui prêche, il se prêche aussi lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Amen. Il a des faiblesses. Amen. Il a des erreurs. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut se détromper. Amen. Beaucoup considèrent, beaucoup croyaient que les hommes de Dieu, ils ne doivent pas fauter. Ah, oh. C'est-à-dire qu'ils doivent être parfaits. Ce ne sont pas des parfaits. Amen. Donc voilà, c'est insensé de dire que pourquoi lui, il nous a prêché ça, il ne fait même pas ça. Mais lui-même, il se prêche aussi. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Lui-même, il se prêche aussi. Amen. Yes. Voilà pourquoi le manque de maturité yes. qui fait que non, parce qu'un homme l'a fait comme ça, parce que je l'ai fait comme ça, peut-être que voilà, tu peux croiser un homme de Dieu quelque part, entrer dans un tabac, voilà, et puis ça te vexe. Voilà. Et puis comment ça se fait? Comment ça se fait comme? Il a fait quoi? Il faut savoir bien. Là, c'est une parenthèse que je souhaite d'ouvrir. C'est très important. Parce qu'il y a la nudité dans les hommes de Dieu. Amen, amen. Amen. Je prends la Bible. Genèse 9, je pense. Amen. Quand les fils de Noé sont partis voir la nudité de leur père, amen. Il était dans quel état? Faiblesse. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi il était nu? C'est à un moment donné, tu peux côtoyer l'homme de Dieu. Tu peux permettre à mon ami de pousser voir sa nudité. Amen. Quand je parle de sa nudité, ça dit que c'est faiblesse. Yes. Oui. Yes. Et que cela ne te dérange pas. Que cela ne fasse pas
que non, 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 je quitte l'église. Comment ça se fait? Moi, j'ai un vendredi, le pasteur a dit de jeûner, mais lui, il n'a pas jeûné. Oh. Par exemple. Amen. Et là, tu comprends. Amen. Mais tu peux oublier que lui, peut-être qu'il vient de sortir d'un jeûne, d'un long jeûne. Tu ne sais pas. Amen. Il faut faire attention. Amen. Mais si le retard sont sur la parole, tu vas dire que c'est un nom. Amen. C'est, amen. C'est vrai que nous sommes différents. Il y a quelque chose de Dieu que moi, je n'ai pas en lui. Yes. Mais néanmoins, c'est un nom. Yes. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est très important. Tout ce qui doit comprendre ça comment, c'est dans la parole de Dieu. Puiser dans la parole de Dieu. Tu ne seras pas trompé. Amen. Tu ne seras pas bien-aimé. Tu ne seras pas ballotté de gauche à droite. Non. Yes. Ouais. Et si quelqu'un bien-aimé, un manipulateur, un brigand, Jésus l'a dit dans Jean 10, 10, dans Jean 10, il est en train de dire que beaucoup viennent, ce sont des brigands, des voleurs qui vont venir. Si tu es enfant d'un voleur et qu'il sait que tu connais la parole de Dieu, il ne va pas rester longtemps. Yes. Il va partir. Je te dis vrai. Il va te dire, non, quitte ton église, tu sais, moi, Dieu m'utilise, je vais quitter mon église pour aller où? Amen. Oh, il faut me suivre. Mais tu as l'église, tu as quoi? Amen. Mais si tu as la parole, tu seras dit non. La Bible déclare que nous ne puissions pas abandonner nos assemblées. Amen. Pourquoi je vais abandonner mon assemblée? Pour faire quoi? Amen. Non, il faut changer un peu. Quelqu'un qui disait, j'écoutais quelqu'un qui disait, non, non, il faut changer un peu. Faut changer un peu quoi? Donc tu vas changer ta famille. Non. Tu vas dire que je vais changer un peu la famille parce que tu vois, la famille, ma famille, elle est un peu compliquée, je vais changer un peu de famille. Ça n'existe pas. Amen. Là où Dieu t'a planté, tu restes là. Amen. Mais que tu connaisses la parole de Dieu. Amen. Faut connaître la parole de Dieu. Amen. Tu sais, il y a beaucoup de choses, je reviens sur ce que je disais. C'est la parole de Dieu qui transforme les cœurs. Yes. C'est la parole qui change les cœurs. Quand tu as des lignes, par exemple, dans Galates 6 et 7, la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est que l'homme aura semé, il est mort souverain. Amen. Amen. Mais je crois que c'est, beaucoup voient ces versets-là toujours dans le semain et la moisson, dans l'argent que vous semez. Non. Amen. Elle ne savait dire beaucoup Amen. Ces versets. Amen. La semain dans tous les domaines, Amen. Tous les domaines, tous les domaines, tous les domaines. Il faut savoir tout ce que tu es en train de faire, ma soeur, c'est une semence. Amen. La façon dont tu te comportes avec les autres, ce sont des semences. Amen, amen, amen. Et autant mal que tu le moissonneras. Amen. Et il a dit de dire dans verset 7 ou 8, il a dit que celui qui sème la chair, il moissonnera de la chair amen, la corruption. Amen, amen. Mais celui qui sème l'esprit, il moissonnera par l'esprit la vie éternelle. Amen. Amen. Donc le fait que tu as dit que tu lis dans le droit de l'église, je sais que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as écrit des cris, toi-même tu l'as lu. Mais parce que la parole est la porte de la vie, parce que la porte de la lumière, si réellement tu désires changer, cette parole va commencer à agir. Donc à chaque fois, quand il y a colère, Amen. Quand la haine commence à monter, je dis non, 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 c'est mon prochain, c'est mon semblable. Amen. Non, non, je ne peux pas aller, je ne peux pas aller. Regarde, va te montrer, regarde comment il t'a fait, regarde ce qu'il t'a dit. Non, 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 néanmoins, c'est mon prochain. Amen. Et moi aussi, j'ai déjà fait tant de mal aux gens. Amen. Si les gens me haïssaient, Amen. Est-ce que si Jésus était à ma place, ok, moi je ne suis pas Jésus, mais si moi on m'a fait ça, Amen. Je ne m'aimerais pas. Donc je ne fais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as mis quelque part dans la vie. Yes. La Bible dit que la vraie religion consiste à côtoyer. À s'occuper de veuves et des orphelins. Personne ne m'a enseigné ça. C'est quand j'ai lu ça. Et vous savez, des fois, quand vous lisez la Bible, je dis que c'est toute la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. N'allez pas chercher les versets qui vous plaisent, les versets qui sont populaires. La Bible de Genèse Apocalypse. Amen. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3, 16 et 17, nous avons dit que toute écriture est inspirée de toute écriture. Amen. Toute écriture. Amen. Et Jésus même, il a dit qu'on n'ôtera même pas un iota. Donc, c'est-à-dire que la petite lettre de l'alphabet grec, on n'entendra même pas ça. C'est le livre du début à la fin, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous savez, des fois, quand tu lis la parole de Dieu, tu as des remarques qui nous savent, ça me parle. Amen. Tu vois vraiment que ça te parle. Il ne faut pas zapper ça. Peut-être que toi, tu aimes toujours les versets populaires. Oh non, 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 et voilà, ok, ma lettre, vous allez. Dieu veut t'envoyer d'aller lire Amos. Ou bien Abdias. Mais toi, peut-être, tu ne connais pas Abdias. Quand j'ai parlé à Abdias, Abdias. Abdias. Quoi? Abdias. Abdias. Quelqu'un ne m'a dit Abidjan. Est-ce qu'il y a Abidjan dans la Bible?
Pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas la Bible, tu commences à dire Abidjan. Alors ça tiasse. Quand tu veux toucher pas dans les versets là, ouvre vraiment que, voilà, ça t'attire tout le monde. Les versets là qui sont populaires. La Bible est profonde. Elle est profonde. Tu vas trouver la solution à tes problèmes. La Bible même, c'est un livre qui résout les problèmes. Les problèmes familiaux, les problèmes mentaux, les problèmes même de couple, les problèmes spirituels, les problèmes financiers, ça résout les problèmes. Que Dieu nous fasse grâce. Tu veux combattre l'ennemi, tu n'as aucune parole. Amen. Aucune arme. Vraiment. C'est l'esprit de l'esprit qui est la parole. Voilà pourquoi longtemps tu as commencé à faire les prières de 2h à 4h du matin. Vous êtes en ligne quelque part. Et où sont les résultats? Amen. Où sont les résultats? Dieu est derrière sa parole. Amen. Quand vous priez, ce n'est pas mauvais de prier, bien-aimé. Mais quand on a de prier et mettre la parole de côté. Amen. Ou bien tu as de prier. Oui, c'est mes ennemis vont tomber. Mes ennemis vont faire ceci. Le diable, on a dit que c'était quoi? L'accusateur. Lui, il écoute ça. Il va transpirer. Comme moi, là, j'ai transpiré là. Voilà. Et lui, maintenant, comme c'est l'accusateur, il va l'amener, il va te ramener devant Dieu. Il dit que regarde. Tu vois, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu se tient derrière sa parole. Amen. Il ne l'a dit pas sa parole. Quand le diable va nous ramener les preuves, il dit que regarde. Il paraît que toi, tu ne bénis pas les voleurs. Mais regarde, lui, maintenant, il a l'air de m'accuser, de m'accuser, de me chasser, que c'est moi qui vole, mais regarde. Dieu m'a rien fait. Amen. Vous voulez savoir une chose? Regardez quand on va au tribunal. Le juge, il a quoi? Il a les codes. Il a un code pénal. Il a ça. C'est un gros livre. Ils ont beaucoup là. Ils vont dire que non, cette personne a fait ça. Ce n'est pas le juge qui les condamne. Il va ouvrir. La loi. C'est la loi. Parce qu'il a fait ça. Et il mérite 10 ans de prison. Maintenant, l'avocat qui va intervenir. Non, 10 ans, mais est-ce qu'on peut réduire? Parce que quand il a fait ça, il y avait ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Amen. Tout ce que vous voyez sur la terre, ça a été fait déjà aussi. Amen. C'est ça, gloire soit dans le nom de Seigneur Jésus qui est notre avocat. Amen. Jésus est là, je dis, regarde à toi, regarde les 100 versets, regarde les 100 versets. Le diable, c'est un accusateur. Donc, il ne faut pas lui donner l'occasion qu'il arrive même de nous accuser devant Dieu. Voilà pourquoi, à un moment donné, les gens disent, par exemple, tu vois, que Dieu nous fasse grâce, arrêtez de dire ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Dieu vraiment m'a maudit. Dieu ne maudit personne. Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu ne maudit pas. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu n'abandonne pas ses enfants. C'est-à-dire que quelque part, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Amen. Donc quelque part, soit tu es dans le temps de la moisson. Voilà, la coupe a tellement débordé. Tu as fait tellement du mal aux gens. Maintenant, le temps de la moisson est arrivé. Yes. Je vous dis, frère. Ce n'est pas Dieu, c'est sa parole. Yes, Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous fasse. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Par le temps qui court, même le temps est mauvais. Voilà pourquoi vous remarquerez quelqu'un d'autre. Oh, mais c'est une soeur, ça fait 12 ans qu'il est dans le Seigneur. Plus de 20 ans que tu lui connais, que c'est un chrétien, que c'est un homme de Dieu. Mais quand un vent souffle, quand il y a la tempête, quand il y a des épreuves, mais tu sens quelqu'un qui est découragé, abattu par rapport à toi qui vient de naître de nouveau. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais pourquoi? Mais ce sont des personnes qui priaient longtemps. Les personnes qui vont toujours à la montagne, aller chercher la face de Dieu, c'est bien. Mais faisant cela, aller chercher la place de Dieu, sans la parole de Dieu, c'est nul. C'est nul. Sans la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est nul. Voilà pour quelqu'un d'autre. Tu vois que, oh, mais je vois beaucoup de gens. Tu vois qu'elle fait des situations difficiles. Tu as budget d'elle. Mais tu vois, elle est forte. Elle s'appuie à la part. Yes. Elle a une parole à laquelle elle s'appuie. Yes. Et cette parole-là la maintient. Yes. Hallelujah. Si vous n'avez pas la parole, vous n'avez pas la prophétie, vous avez tout simplement, c'est pas la prière. Toutes ces deux choses-là sont en dessous de la parole Amen. De Dieu. Il faut l'avoir la parole. Amen.
aimer la parole, désirer la parole, repousser les diables par la parole de Dieu. Jésus, c'était une confrontation qui menace son esprit. Les diables viennent nous confondre. Des fois, tu es toute seule là-bas à la maison. Tu as des voix, des mauvaises pensées qui commencent à venir. Eh, je vais mourir. Eh, je vais mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas embrasser le diable avec ces paroles-là. Et puis commencer à préparer les testaments aussi. Oui, comme on est en train de me dire, non, je vais. Mais il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi le diable veut te dire, quelqu'un d'autre qui traversait un pont, il avait des problèmes de traverser le pont. Voilà le diable veut te dire, regarde dans le pont, je vais te jeter. Récemment, jette-toi dans la scène, tu vas mourir. Comme ça, tu vas mettre fin à tous tes problèmes. Jette-toi. Mais il a pensé à la parole de Dieu. Il dit que je ne mourrai pas. Amen. À cet âge-là, j'ai mes enfants qui sont encore petits. Amen. Tu vois, il a repoussé la parole de Dieu. Mais si quelqu'un comme ça, tu coopères avec le diable, il a entendu que meurs comme ça, tu iras au ciel. Quelqu'un qui se suicide, il va aller au ciel. Ça n'existe pas. La parole de Dieu, c'est le pain de l'esprit. Amen. Le pain de l'esprit. Amen. Le pain de l'esprit. Voilà pourquoi il est puissant de l'efficace. C'est-à-dire que tu as la parole de Dieu, tu as plus que tu as tout. J'ai dit, tu as tout. Celui qui a la parole de Dieu, il a tout. Voilà. Et les gens maintenant veulent toujours le matériel. Voilà, les matures, tu m'as vu. Mais je t'ai vu avec tout ça, mais tu n'as rien. Père, mais faut voir la parole. Père, tout ce qui se passe actuellement, je ne suis pas au Portugal. Père, mais la terre en train de cracher le feu. Toutes les villas qui étaient dans la ville de tout. Mais qu'est-ce que c'est pour devenir ces gens-là? Comment ils sont? Yes. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu perds tout. Amen. En une journée. Amen. Alors que tu as investi dans ça. Yes. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Il faut la parole de Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui a la parole de Dieu, tu peux tout perdre. Yes. Mais tu n'as pas perdu celui qui tombe. Non. C'est que tu avais reçu. Amen. Aimer la parole de Dieu. Amen. Si tu ne peux devant le diable, tu vas lui dire que non. Regarde cet homme-là qui a dit, ah, il faut. Regarde, c'est un païen, mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il y a aussi ces personnes. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Regarde ton âme. Tu vas avec ces païens, c'est pas grave. C'est pas... Mais tu vas te retrouver avec la parole de Dieu. Qui, la Bible déclare, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Béliard? Tu vas me marier avec ces païens-là. C'est de moi que je suis enfant de Dieu. Tu as déjà investi en moi. Si je me suis marié avec lui, mais demain après demain, s'il va m'interdire de ne plus prier, de ne plus aller, parce que personne ne peut interdire quelqu'un de prier. Amen. Il y a une façon d'être interdit de prier. Amen. Ouais. Amen. Il y a une façon d'être interdit de prier. Amen. Voilà. Quand il va te dire non, il ne va plus la prier. Il t'a interdit. Je te dis qu'avec la petite flamme que tu as, reste à la maison, ça ne tiendra pas. Amen. Je te dis que ça ne tiendra pas. Amen. À chaque fois que vous voyez que le diable se soulève, ce qui est chaud. Sache-le que la bénédiction qui est. À chaque fois, les gens sont venus se soulever. Toujours. Non, pourquoi? Vous aussi, les églises, et il y a la maladie. Tout parce que le diable sait. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Car c'est là où il déverse ses bénédictions. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Oui, je suis d'accord, c'est écrit, ce n'est pas le bâtiment. Mais c'est un sanctuaire, c'est le sanctuaire de Dieu. Nous réunissons pour la vie. Amen. Et quand nous nous réunissons, même siège au milieu des louanges de son peuple. Pas au milieu des louanges de son fils. Amen. Au milieu des louanges de son peuple. Ça change tout. Amen. Il faut voir la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Aimez la parole de Dieu. Aimez la bien-aimée. Et considérez tout simplement que quand tu as la parole de Dieu, tu as le paix de l'esprit. Amen. Tu vois, il y a beaucoup de gens. Vous entendez parler que non, et ses paroles sont aiguisées. Hein. Elle a une bouche aiguisée, c'est là qu'elle parle. Hey, franchement, je ne vais pas dormir. Ça, c'est les paroles humaines. Maintenant, la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Voilà pourquoi. Dans le regard que Jésus disait que l'homme ne vit pas seulement de pain. Pour dire quoi? Amen. Que quand le diable. Amen. Lui, il te tente, il te ramène une flèche dans tes pensées. Toi, maintenant, tu vas vocaliser la parole. Amen. C'est pas dans les pensées. Lui, il vient dans les pensées. Toi, tu vas parler maintenant. Amen. Il y a des gens que Jésus a dit. Amen. Ça, c'est important de parler. Amen. C'est pas pour rien que Dieu t'a donné la bouche. Yes. Tandis que tu te vois, il y a des courbatures dans les corps, et puis tu es là aussi. La première réaction de Libra. Ouais. Notre première réaction de Dieu, déjà d'abord, consulter Dieu dans sa parole. Le Doliprane va suivre après. Voilà pourquoi tu peux prendre le Doliprane sans Dieu, ça ne marche pas. Amen. Tu peux prendre des thérapies, tu peux consulter un médecin, je ne sais pas, un professeur, je ne sais pas dans quel hôpital. Amen.
Parce que la parole de Dieu ne soutient pas ce que tu fais là. La Bible dit que Dieu soutient toutes les choses par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. Voilà pourquoi si tu te tiens sur la parole de Dieu, peu importe ce que les gens veulent dire. Laisse-le parler. Laisse-le faire. Ils peuvent aller en premier. La Bible dit que le premier, c'est le dernier. Laisse-le se marier. Toi, tu es toi sur la parole de Dieu. Ils vont te dire que toi, tu attends tout simplement chrétien. Tu vas attendre longtemps. Tu sais, maintenant, en ce moment, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Elles sont plus nombreuses que les hommes. Et alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce qui est à toi est à toi. Et le Dieu sait faire les choses. Regardez, il faut lire la Bible. C'est notre donnée. Tu commences à te dire, Seigneur, à cet instant, comment vont les choses? La parole de Dieu vient de monter. Il dit que quand Moïse est né, j'ai déjà fait le plus. C'était en période où Pharaon avait pris la décision de tuer tout le monde. Tu les comprends? Amen. Donc, tu sais que ton enfant, ta situation, Dieu attend tout simplement que tu rentres dans le désespoir en disant qu'en ce moment, ce n'est plus possible. On a fermé les ambassades, on a fermé tout. C'est en ce moment-là que Dieu agit. Amen. Tu dis la parole. Amen. Tu as dit qu'en ce moment, non, avec la crise sanitaire, pour trouver un emploi, c'est en ce moment-là que Dieu fera la parole. Amen. On ne pouvait pas croire. Mais Dieu regarde Dieu. Pourquoi il n'a pas fait naître Moïse quand tout était calme? C'est ça. C'est ça, sa Seigneurie. C'est ça, sa puissance. C'est ça, sa vie puissante. Comme ça, il veut vous allez savoir que ça, c'est Dieu. Les problèmes de frères, les gens sont toujours sur les enfants. Oui. Combien de chômage? Avec tant de chômage, Seigneur, est-ce que moi je vais trouver? Mais la foi avait déclaré. Marcher selon la foi. Marcher selon la foi et non selon la vie. Amen. Un chrétien, c'est comme ça. Amen. C'est la foi. La foi ne voit rien. La foi ne voit pas les infos. Mais je crois. Alléluia. C'est bien au contraire, en ce moment-là, que nous devons avoir beaucoup de place, beaucoup de confiance en Dieu. Amen. Malachi nous dit que vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Vous allez voir la différence. Voilà pourquoi, des fois, rentrer dans la dimension où que tu sais que tu as confiance en Dieu, que Dieu est bon. Rien ne peut t'arriver si tu es bien. Dis-moi Amen. Amen. Rien ne peut t'arriver si tu es bien. Amen. Dans la dimension de confiance. Amen. C'est-à-dire que si je rentre à la maison et je trébuche, je me suis blessé, je dis Seigneur, je te rends grâce. C'est la dimension de confiance. Seigneur, je te rends grâce. Dieu le voit dans les gens des soldats. Amen. Le voit dans les gens des soldats. Amen. Dieu dans son plan peut dire qu'il a permis que tu puisses te blesser un peu. Les pompiers vont venir. Parmi les pompiers là, il y avait un vrai chat. Amen. Ou bien quand on va t'amener à l'hôpital, l'infirmière qui va te soigner, c'est le chien. Tu vas bien. Non, il y aura un jour où on va parler que de Dieu. Amen. De ces Dieu. Amen. Mais vous serez fascinés. Dieu, il est bizarre. Les voix, Dieu, ces voix sont bizarres. Amen. Je vous donnerai quand même ce témoignage, là, mais je vais finir. Par ça, ça me remonte dans l'esprit. Il y avait une fille dans une église, une sœur dans une église haïtienne. Cette fille-là, elle était vierge. Elle craignait Dieu. Toute l'église savait qu'elle craignait Dieu. Elle jouait au piano. Elle craignait Dieu. Elle connaissait pas Dieu. Elle connaissait pas Dieu. Et un jour, le culte est fini vers 23h là. Elle rentrait chez elle. Elle s'est fait violer. Est-ce que tu peux imaginer? Mais Dieu, il ne faut être bizarre! Les voix des dieux sont un soldat. Amen. Et quand cet homme-là l'a violée, elle était tombée enceinte. Et tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas voter. Maintenant, elle dit que comment je vais dire à l'église? Qui va me croire? Qui va me croire? Personne. Mais tellement qu'elle aimait Dieu, elle aimait son église, elle est restée. Les gens, ça parle toujours. Il y a quelques-uns qui l'ont cru, il y a les autres qui n'ont pas cru. Mais elle servait Dieu. Mais le voix de Dieu sur le son. Dieu, non. Amen. Dieu, non, il est Dieu. Amen.
L'enfant grandissait à 2 ans, je pense. Et ils ont tenu, il y avait une campagne d'évangélisation dans sa ville. Campagne d'évangélisation, l'évangéliste est venu, il y a eu beaucoup de monde. L'évangéliste était dans le street card là-bas, il prêchait. Et il commençait à donner son témoignage. Amen. La manière dont il s'est converti. Amen. Quand il violait cette fille-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Et de là, quand il était parti, il s'est converti. Cet homme, il s'est converti. Amen. Et ces jours-là, au stade, il donnait le témoignage. Amen. C'est très intéressant. Amen. Il donnait le témoignage. Il disait comment je me suis converti. Il parlait. Et la fille, la soeur, était dans la foi. Elle s'est faufilée. Jusqu'au protocole, elle dit que c'est de moi qu'il s'agit. Elle est montée au stade. Amen. Et ce même jour-là, il dit, comme c'est toi, je détruis ta vie. Amen. Mais aujourd'hui, tu vas la récupérer. Je te demande au mari. Ce jour-là, il s'est marié. Est-ce que tu comprends? Avec un homme de Dieu. Amen. C'est un homme. Amen. Mais par quelle voix? Par quelle voix? Amen. De voir un son. Insondable. Amen, amen. Allons dans une dimension où tu fais confiance totale. Amen. C'est-à-dire que même si on me disait, tu sors de la maison, tu dis Seigneur, je te fais confiance. Yes, amen. Donc même si tu dis que non, ce travail-là, madame, non, tu ne fais plus bien, moi ton contrat est fini, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance parce que quelque chose de meilleur que tu gardes. Amen. Mais va voir la parole de Dieu. Amen. La pauvre soeur. Vierge, elle a été violée. Mais ce jour-là, c'est sûrement. Mais comme Dieu était derrière, est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser les mains? Amen. Yes. Voilà pourquoi je chante les familles. Voilà pourquoi. Il y a des sorciers et des sorcières qui doivent vivre. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen. Ouais. Dieu utilise les méchants. Amen. Dieu utilise les méchants pour accomplir une chose. Amen. Voilà pourquoi tu peux dire que comment ça se fait que pourquoi je suis né entre tel père et tel mère. Dieu sait. Amen. Dieu sait que par ces parents-là que tu pourras les connaître un jour. Amen. Dieu sait. Amen. Les voix de Dieu sont insondables. Des fois, on peut pas prier que tous les sorciers dans ma famille meurent. Le feu vient sans savoir. Il entre. Ça ne peut pas. Pourquoi? Le plan de Dieu. Il faut que ces gens-là restent. Amen. Pour que bien me parle, que tu puisses arriver quelque part. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien aimés. S'il n'y a plus de méchants à nos côtés, nous n'allons plus prier aussi. Amen. Nous n'allons plus nous consacrer à Dieu. Des fois, Dieu les maintient à nos côtés. Amen. Dieu est grand. Amen. Mais quand tu connais sa parole, quand tu connais sa nature, que Dieu est bon. Amen. Quand tu vois que non, j'ai Jésus. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui est venu, bien-aimé, qui a apaisé la colère de Dieu sur nous. Le même Dieu qui a dit, un roi, il demande le roi Akab demande aux gens d'aller dire à Élie de descendre. Bien-aimé, quand le feu de descendre. Il les a consumés. Deux fois, le troisième groupe de 50 ont supplié Élie. Mais, les mêmes personnes. Écoutez maintenant les disciples qui sont en train de dire, mais pourquoi on n'invoquera pas le feu? Que le feu ne descende pas sur une certaine ville comme le feu était descendu sur nous. Le 50 du prophète Élie. Jésus a dit que vous n'êtes pas animé par un bon esprit. Vous ne savez pas quel esprit qui vous a donné. Il a refusé. Nous rendons gloire pour la vie de notre Seigneur. Amen. Lui, il a tout pris à la croix. Mais si nous voyons ça avant l'œuvre de Jésus à la croix, mais on dirait que Dieu était méchant. Non. Il fallait que Christ vienne. Mais ce qui est sûr, il a commencé à marcher dans une dimension. Cette dimension-là, de faire confiance en Dieu, confiance en sa parole. Parce que là, je veux bien préciser, nous faisons confiance en Dieu, nous faisons confiance en sa parole. Parce que quel que soit les pensées nobles que tu peux avoir sur Dieu, que Dieu est bon, Dieu ceci, Dieu, lui, il doit se retrouver dans sa parole. Amen. Il faut toujours, même quand vous priez, le diable peut te dire, regarde, quand tu as de prier, ça fait longtemps que tu pries, tu ne reçois rien.
Mais tu vas repousser dans la Bible, le cas de persévérer dans la prière. Regarde-moi Satan. La Bible dit demandez, il vous sera donné. Mais si vous ne priez pas, vous ne demandez pas. Toujours chasser, chasser, chasser. Non, elle m'a donné. Si toi, commence à demander à ton Père. Seigneur, je veux ceci. Je t'ai dit que donne-nous notre pain quotidien. Les pains quotidiens, mais c'est tout ce que nous avons besoin. Le travail, les maisons, et tout ça. Tout ça, ce sont les pains quotidiens que Dieu nous a demandé dans la prière. Même pour bien prier. Amen. Vous devez appuyer, argumenter par la parole de Dieu. Voilà pourquoi lui, le diable, quand il va nous accuser, il a des arguments. Il a la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu vas dire quoi quand tu pries à Dieu? C'est l'héritage de mes enfants, parce que les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Amen. Mais si tu ne connais pas, c'est de mes enfants, moi j'ai souffert pour les avoir. Ça n'a rien à voir. Amen. Tu as souffert alors. Amen. Qui n'a pas souffert pour avoir les enfants? Amen. Hein? Amen. Qui n'a pas eu des douleurs? Amen. Ça, ce n'est pas des arguments. Amen. L'argument dit que c'est les enfants sont l'héritage de l'Éternel. Tu m'as demandé de consacrer, tu as dit que tout premier. Tout mal en premier ta partie, j'ai consacré mes enfants. J'ai dit que les enfants sont l'héritage. Je refuse. Mais si tu n'as pas la parole, le temps que tu vas chercher les écritures, quel est le verset que tu veux prendre, il faut que ça vienne aussi. Que les là, on a déjà donné un coup de pied par Satan. Alors qu'il y a des choses, mais c'est le ticotin. Amen. Il a parlé à Jésus, Jésus a repoussé toutes les choses. Ne pensez pas que vous perdez du temps quand vous lisez la parole de Dieu. Amen. Et puis, soyez sérieux. Voilà. Ne faites pas pour tranquilliser votre conscience, tout simplement. On a dit des livres, je vais dire 10 chapitres. Aujourd'hui, il y en a tant de livres. 10 chapitres, 10. 10 et après, tu as été quoi? Tu as eu quoi? Tu peux finir de Genèse Apocalypse et sortir de vie. Il faut avoir un bon esprit. Un esprit d'apprentissage. Un esprit de soif, d'assoiffé de Dieu, d'affamé de Dieu. Voilà pourquoi je sais que si quelqu'un soif, qu'il vienne à moi, qu'il boit. Tu vas avoir la soif de sa présence. La soif de sa parole. Voilà pourquoi il y a des gens qui rentrent dans le mystique. J'ai choisi de les finir d'abord. Rentrent dans le mystique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mystifier Dieu. Voilà. Ils veulent rentrer dans une chambre noire, dans une chambre enfermée, mais commencer à invoquer Dieu. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu doit d'abord. Quand tu l'invoques, voilà, c'est le bizarre qui vont te parler. Et puis, voilà, Dieu m'a parlé. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Seigneur, tu as dit qu'invoque-moi, je te répondais. Je t'annoncerai des grandes choses. Les choses sont cachées que je ne connais pas. J'ai appuyé cette parole. Je commence à invoquer l'Éternel. Est-ce que tu comprends? C'est très important, bien. Aimez la parole, lisez la parole. Avant de la lire, Seigneur, je vais lire. Saint-Esprit, notre enseignant, c'est-à-dire que quand il sera venu, il vous enseignera toutes les choses. Mais bon, des fois, vous n'arrivez pas à lire la parole, à la méditer, parce que vous n'avez pas une bonne communion avec le Saint-Esprit. Vous êtes toujours dans les péchés mignons, quoi. Voilà pourquoi, oui, je vous dis, le Saint-Esprit est tellement sensible. Amen. Voilà, si tu es tout le temps en colère, le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner en colère. Voilà pourquoi maintenant, à cause de cette colère-là, tu as envie de lire la parole de Dieu comme un journal. Voilà. Alors que quand le Saint-Esprit est dans toi, dès que tu trébuches un peu, le Saint-Esprit parle. Je regrette, Seigneur, il ne fallait même pas que je parle, sinon cet homme-là n'allait pas s'énerver, la maison ne serait pas gâtée. Seigneur, si tu pardonnes-moi, il faut avoir un esprit repentant. Amen, alléluia. Il faut avoir un esprit repentant. Un cœur repentant, c'est quel cœur? C'est que quand je erre, tout simplement, tout le souci, je regrette. C'est ça, un cœur repentant. Et un jeune qui fait du mal, mais il est tranquille, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que parce que moi je pue. Voilà. Vous êtes des sorciers là. Voilà. Pas avec moi. Et puis il est tranquille, donc. Il dit que voilà, j'ai lancé. Ça, c'est pas bon. Un esprit répandant, c'est quand je fais quelque chose. J'ai dit, ah, c'est des valeurs, il fallait pas que je fasse. Si je n'avais pas dit, il y aurait la paix entre moi et ma soeur. Il y aurait la paix dans la maison, Seigneur, pardonne-moi pas. Voilà pourquoi directement tu vas lui dire, Seigneur, pas. Non, chérie, ou bien mon frère, c'est pas bon. Pardonne-moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, tu m'as pardonné. C'est ça l'esprit. Mais si vous êtes orgueilleux, maintenant, si toujours, toutes les secondes, dans cet état, comment le Saint-Esprit va te pousser à venir de la parole? Tu vois, il est attristé toi-même. Donc, je ne sais pas, tu te sens gêné. Oui, le Saint-Esprit, hein. Quand tu as fait quelque chose, tu te sens gêné. J'ai toujours donné
l'exemple d'un enfant qui avait caca dans sa couche, et il est gêné, il commence à pleurer, il n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise. Mais un cœur repentant qui demande qu'à chaque fois, Seigneur, pardonne-moi, ne me fatigue pas, Saint-Esprit, j'ai encore besoin de toi, ne me fatigue pas, continue toujours, Saint-Esprit, je n'ai pas mal à la colère, Saint-Esprit, et j'ai besoin de toi, Seigneur. Vous voyez? Je n'ai pas abandonné, Seigneur, je suis toujours, je m'énerve pour rien, Saint-Esprit, aide-moi, il t'écoute, si tu es sincère, il le fait. Amen. Voilà qu'à un moment donné, la colère va monter, mais ça te dit qu'il calme. Amen. C'est-à-dire que tu vas t'énerver, le Seigneur va dire non, calme-toi, c'est rien, calme-toi. C'est à ce moment-là que tu vas développer la colère de Seigneur. Et quand tu vas ouvrir la Bible, le verset que tu as toujours lu, le verset que tu as toujours vu, tout simplement, tu as toujours entendu, mais il y aura une illumination extraordinaire. Pas possible. Pourquoi? Parce que tu t'es donné de mon Saint-Esprit. Il faut travailler, hein? Il faut travailler. Quand tu as déjà dit oui au Seigneur, nous sommes rentrés dans une école. Et dans cette école, il y a l'école primaire, l'école secondaire, il y a l'université, il y a les masters, il y a tout ça là. Ouais. Ouais. Je ne sais pas maintenant à quel niveau que tu es. Niveau du parvis, on avait vu des parvis qui ressemblent au maternel, je ne sais pas quoi. Voilà. Il faut évoluer. Il faut que Jésus se forme en toi. Jésus, quand il se forme en toi, c'est par rapport à la parole que tu es en train de mettre en pratique. C'est-à-dire que quand Jésus se forme en toi, ta tétille, ton langage devient le langage de Jésus. Il n'y a plus de gros mots en toi. Il n'y a plus de vulgaire en toi. Parce que Jésus est en train de se former du côté langage. Pourquoi? Parce que tu as appris maintenant à travailler ta façon de parler. Yes. Ou bien à travailler la tempérance. Yes. Donc Jésus maintenant est en train de se former. C'est-à-dire que tu as été dans tous les domaines. Yes. Dans tous les domaines. Mais il faut que cela soit ton désir. Amen. Nous devons refléter Christ en nous bien, yes, dans notre façon de parler. Il faut qu'il y ait la maîtrise de soi. Nous devons avoir, c'est-à-dire que quelqu'un te voit, il vient te voir, non, c'est là, elle est l'enfant de Dieu. Yes. Il va voir ta vie passée et ta vie actuelle, tu vas te voir que non. Non, mais il y a quelque chose qui se passe. Yes. Quand elle était allée lancer, tu vois, elle commence à sortir des mots doux. Des mots doux. Alors qu'il y a des femmes qui sont brutales. Dieu n'est pas brutal. La brutalité ne vient pas de Dieu. Ne brutalisez pas vos enfants. Ne brutalisez pas vos maris. Ça ne vient pas de Dieu. Hein? Ça ne vient pas de Dieu. Dieu dit dans sa parole, c'est dans la tranquillité, dans le repos. Tout viendra le salut. Dans le mot salut, il y a tout. Il y a délivrance, il y a tout. C'est dans la tranquillité. Il y a des choses que tu n'as pas répondu. Pourquoi le Saint-Esprit a demandé non? Si je réponds, combien de fois vous voyez dans les familles, dans le foyer? Tu dis que quand tu vois le problème, le mec, bon, c'est rien. Une graine de sable. Juste tout simplement parce que tu as ouvert la bouche. Juste tout simplement parce qu'il a dit, il fallait que je m'étais à ce niveau-là. Ah, moi je suis allé trop loin. Seigneur, pardonne-moi. Mais il faut qu'on ait un cœur répondant. Tout ça, tu dois connaître, c'est par rapport à la parole de Dieu qui a été dit. Il y a de la parole de Dieu. Il y a des histoires dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible est la parole de Dieu. Du début à la fin. Amen. Quelqu'un veut dire que non, l'ancienne alliance, ce n'est plus d'actualité. Il est fou, cette personne, que Dieu le pardonne. Amen. Que Dieu me pardonne dans l'ignorance. Pas il est fou. J'aime pas trop, je ne suis pas les gens. Il n'est pas fou, mais il est dans l'ignorance. La Bible est l'ancienne et la nouvelle alliance forme de la Bible, qui est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamation. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes à la fin, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, tu es bien.